Chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Le mariage chez nous. Comme d'habitude, grâce à cette émission, vous avez eu la chance de connaître comment le mariage se prépare et se célèbre dans les ethnies du Tchad. Aujourd'hui, ce ne sont pas avec les leaders religieux ni les leaders traditionnels, mais c'est avec les magistrats. Et sur ce plateau, nous avons deux illustres invités. Nous avons Nedo Gérard, le premier substitut du procureur de la République, qui est à ma droite, et Andakeizou Siméon, le DGA de l'École nationale de formation judiciaire, qui est à ma gauche. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. Votre avis, est-ce qu'une femme a le droit de demander adultère à son mari? Par exemple, dans le cas où tu maries deux femmes, et puis la troisième, tu fais mariage avec elle, et les deux premières, tu n'as pas fait mariage avec elle. Mon mariage civil, j'ai dit. Et si tu reviens encore marier une quatrième femme, est-ce que la troisième femme peut encore dire non, pourquoi tu maries une quatrième femme, ça doit être moi et c'est la fin. Et si elle vient par exemple à la justice porter plainte, ou bien chez les traditionnels pour porter plainte, est-ce qu'il faut trouver que ça s'est fait, ou bien ça va avec nos traditions et la justice peut aussi admettre ça? Père. Bon, l'adultère par définition, c'est lorsque les gens sont dans un lien de mariage, oui, et que l'un de conjoints arrive à avoir commerce hors mariage. Oui. Mais le cas que vous évoquez, ça veut dire que ils marient une quatrième femme. Ils acceptent. Puisque l'homme a droit à quatre femmes. Oui. Il prend une première femme. La première femme, elle connaît son statut de première femme. Oui. Le mari a aussi le droit de prendre une deuxième femme. Il prend régulièrement la deuxième femme. Mais en la matière, on ne peut pas parler d'adultère. Il n'y a pas d'adultère en la matière. Mais si d'aventure, ils sont dans un lien de mariage ou monogamique, où il n'est pas question que le monsieur aille de gauche à droite, et que celui-ci-là le fait. En ce moment, la femme peut normalement poursuivre son mari pour adultère. Adultère, ok. Même si s'il peut marier, si déjà elle sait qu'elle est troisième, par exemple, elle est quatrième ou cinquième, et que bon, comme vous parlez de 20 femmes dans la tradition, et si même si elle est quatrième et qu'une cinquième arrive et qu'il marie légalement, il marie avec la dot, tout, il l'amène à la maison, est-ce que ça peut aussi poser problème? C'est un honneur. Non seulement ça glorifie Dieu pour ceux qui sont religieux, mais ça honore les parents. Les parents. Donc, c'est le corps là, c'est fait pour être gardé et vivre s'épanouir dans le cadre du lien de mariage. Et c'est ça, toutes les traditions enseignent cela. Ok. La troisième doit être la fin. Voilà. Ou bien ça se passe. Bien. Même monogame, c'est-à-dire une seule femme. Bon, par exemple, s'il a déjà deux femmes avant et qu'il vient prendre une troisième femme, il s'avère la troisième qui fait mariage, par exemple. Et est-ce que là, on peut parler, même si. Est-ce qu'on peut parler de monogamie encore? Non, justement, c'est comme il a si bien dit, s'il n'y a pas ce registre, il n'y a pas la précision du régime matrimonial, là, ça veut dire que l'homme, selon la tradition que nous avons, peut prendre autant de femmes. Oui. Chez les frères musulmans, c'est même précisé que peut prendre quatre. Chez nous, au village, là-bas, on peut prendre autant. Oui. Donc, ça veut dire que on reste dans ce cadre traditionnel et qui est donc admis. Okay. Et dès lors, la femme n'a pas vraiment nous avons beaucoup d'excuses. Donc, monsieur Patrice, vous êtes chanceux parce que même la société tchadienne fait une place à ce que l'homme aille un peu de gauche à droite. Pourquoi? Parce que il est l'homme. Comme on le dit, c'est lui le lion. Voilà. Donc, sa volonté est faite. Mais bon, c'est à chaque être d'apprécier, sinon de s'imposer une certaine conduite. Donc à ce niveau, l'on ne saurait contrôler les psychiques d'un homme. Il est seul maître de sa conscience. Oui, ok. Ouais. Merci. Les chefs traditionnels se plaignent que la jeunesse est sortie hors réseau de la tradition face à cette délinquance juvénile qui va à crescendo, qui est un peu champ de chauve, va à clair. Et même les leaders religieux disent que la jeunesse ne suit pas le précepte divin. Est-ce que sur la route où la jeunesse va, trouvera-t-elle la lumière au bout du tunnel si la tradition, les jeunes ne respectent pas?
la religion, ils ne respectent pas. Est-ce qu'au bout du tunnel, il y aura une lumière quand même? Hein? Sur quoi les jeunes fondent leur vie maintenant? Parce que maintenant, on parle de la délinquance juvénile qui va crescendo, qui nous fait qu'aller de mal en pire. Père. Vous savez, c'est une question cruciale. Pourquoi? Parce qu'étant au parquet depuis quelques années, particulièrement le parquet de Ndamena, il y a un phénomène surtout des stupéfiants qui, franchement, écœurent. Vous allez trouver des jeunes qui sont valides, mais qui n'ont aucune autorité sur leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépendants des produits psychotropes. Mais celui-là, qui ne dispose pas d'une minute pour réfléchir par lui-même, comment est-ce qu'il peut respecter les principes divins? Bien, le vouloir de la tradition. Il y a des situations qui font mal. Des jeunes qui n'ont plus de boussole, pourquoi? Parce qu'étant sous l'effet des produits psychotropes, s'en prennent même à des vieillards. Quand vous êtes devant de telles situations, est-ce que c'est face à cette jeunesse-là que vous allez fonder votre espoir? Quelle sera votre motivation? L'heure est grave. Il va falloir que les jeunes arrivent à disséquer, savoir ce qui est bien pour eux. La consommation de l'alcool, ça peut s'expliquer. Mais les produits psychotropes, de quoi vous parlez, de quelques comprimés vous avalez, en 5-10 minutes, vous êtes dans un autre monde. Ah oui, absolument. Vous allez me dire que c'est à ce jeune-là que vous allez lui dire de faire les ablutions et puis rester droit, prier. Quel temps il a? Vous allez me dire que ce jeune-là, qui a ce courage de venir rester auprès d'un homme mûr pour recueillir des conseils, quel temps il a? C'est pourquoi je pense que, à un niveau donné, nous, les hommes de loi, on doit sévir pour que ces jeunes-là puissent retrouver le chemin du salut. Ok. Donc, c'est les hommes de droit sont comme un canal qui vous essaie de faire de votre mieux pour que les jeunes reviennent sur ce canal et puis aller droit. Le message est plus que passé. L'heure est grave. La jeunesse, prenons une minute pour réfléchir sur notre avenir. Maître Simon. Oui, c'est, il a si bien dit, ce n'est pas un temps, une fin de temps, c'est, la situation est telle. Nous assistons à une sorte de rupture vitale même et par rapport à un passé récent. Et si nous voyons comment nous autres on a marché, comment aujourd'hui ça se passe, franchement, nous avons des raisons d'être inquiets. D'être inquiets parce que c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Et si aujourd'hui toute cette jeunesse sombre, quel sera l'avenir du pays? Et ça, en cela, vraiment, il y a des interrogations. Il y a des interrogations parce que aujourd'hui, il y a peut-être que quelque part la responsabilité des parents, etc. Mais beaucoup plus la responsabilité des jeunes eux-mêmes qui doivent prendre conscience de leur rôle dans la société, de l'espoir qu'on fonde sur eux pour qu'aujourd'hui, ils puissent vraiment se préparer. On ne peut pas prendre les responsabilités de demain si on n'est pas préparé aujourd'hui. Donc c'est à cela que la situation est extrêmement grave lorsque nous voyons notre jeunesse dans cet état de délabrement spirituel, moral, etc. Donc ils ne croient plus à rien du tout. Or, à l'époque, il y avait quand même des idéaux. On suivait cela. On avait des modèles. On voulait être comme tel, on voulait être comme tel parce que tel a réussi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. On veut suivre les modèles qui sont dans les télés, les modèles qui sont ceci, les dépravations, etc. Donc, il n'y a pas cela. Tant qu'on ne, se sacrifie pas, tant qu'on ne promet pas la culture de l'effort, du travail, on ne peut pas espérer tirer quelque chose de la jeunesse d'aujourd'hui. Vous voyez, pour peut-être dire cela de manière crûment en ce qui concerne,
le rapport avec même le mariage aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si vous prenez 10% des mariages qui réussissent, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que la fondation, elle est mal partie. Il y a quelqu'un qui disait que le mariage est comme une forteresse. Une forteresse, oui. Ceux qui sont dedans veulent sortir parce qu'il fait chaud. Ils veulent entrer parce que... Vraiment. Mais il faut que la fondation de cette forteresse-là soit solide. Solide. Mais si on ne fonde pas le mariage sur des bases solides, alors il ne peut pas résister aux aléas de la vie. C'est ça qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, on se lève, on dit ça c'est mon copain, ça c'est ma copine, etc. Et on va, et demain, on dit telle est enceinte, etc. Ce n'est pas ça. Or, à l'époque, ce n'était pas ça. C'est vrai qu'il y a cette liberté aujourd'hui, mais à l'époque, le mariage, c'était une affaire de la famille. Oui. C'est une alliance sociale qui unit deux familles. C'est en cela que le rôle de parents est vraiment prépondérant dans cela. Ce n'est pas pour imposer quoi que ce soit. À l'époque, ce n'était pas cela. Mais aujourd'hui, vraiment, on se marie par coup de tête. Or, on ne peut pas assister à l'éclosion d'une société viable. Parce que la famille, c'est le noyau, la cellule, la première cellule de la société qui fonde la nation. Si aujourd'hui, les familles sont délabrées, les familles sont éclatées, explosées, ça veut dire qu'on est en face à un péril social. On est en face d'un péril social. Ça, c'est le message. Et comme le maître a dit, la jeunesse est l'avenir du pays. Mais si la jeunesse sombre, sur quoi peut-on espérer fonder ou construire cette société? La question est à la jeunesse et c'est à la jeunesse de répondre à cette question. À faire la lecture de ce qui se passe actuellement dans les foyers, les couples qui se séparent, les guerres, les mésententes dans le foyer. Qu'est-ce qui est à l'origine, d'après les cas que vous gérez à la justice, votre honneur? Les cas gérés à la justice, on ne peut pas trouver spécifiquement, mais très souvent, oui. Les causes sont l'infidélité. La cause principale, c'est l'infidélité. L'infidélité. Même si du côté de nos épouses, elles acceptent le fait que le mari puisse se tromper, aller de gauche à droite une, deux fois. Mais l'homme tchadien est un macho, hein, qu'on se le dise. Quand il va, il est marié, il ne fait pas une case dans sa tête que sa femme puisse aller de gauche à droite. Et les cas qu'on a le plus, les hommes, s'il constate que la femme va aller à tel écart, du coup, la demande de divorce, elle est là. Wow. Ok. Et pour les couples qui vivent ensemble, sans le mariage traditionnel ou civil, avez-vous quelque chose à dire? Oui, pour un peu compléter ce qu'il a dit, avant de répondre à votre question, il a cité les causes principales, c'est d'abord l'infidélité. On peut ajouter à cela... la maltraitance également. Oui. Vous voyez, il y a tellement de violences aujourd'hui, certains hommes vraiment. Et je voudrais aussi un peu, pas extrapoler, mais dire qu'il y a aussi le rôle négatif de certains parents qui s'ingèrent beaucoup dans le foyer. Dans le foyer. Et qui fait que tout cela mis ensemble fait que le mariage n'a plus sa vocation d'institution pérenne. Oui. Donc, tout le temps, on a. Ce cas que nous gérons au niveau de la justice. Donc, je ne sais pas quelle était la dernière question par rapport à pour les couples qui n'ont pas de mariage. Oui, qui ne font pas, qui vivent ensemble sans le mariage, sans concubinage. Ah, concubinage en fait. Qui voilà. Un concubinage. Évidemment, je crois que c'est pas la meilleure manière. Il y a aucune garantie en fait. Pas de sécurité. Pas de sécurité. voilà le mot. Pas de sécurité. C'est surtout au côté de la femme. Aujourd'hui, on est quand même arrivé à un niveau de connaissance tel que il faut plus se permettre cela. Il faut, comme on l'a dit, que nous devons même comprendre l'institution du mariage en tant que telle. En tant qu'une institution qui a une vocation pérenne, une institution qui a vocation à perpétuer l'espèce et également. Une institution qui a un cadre éducationnel. Une fois que nous comprenons tout cela,
nous devons donner l'importance à cette institution-là pour la sécuriser. Or, la sécuriser, c'est être vraiment dans un lien juridique. Dans un lien juridique. Et là, vraiment, vous sécurisez votre... Quels que soient les alliés, ça peut résister. Je ne sais pas ce que pourra ajouter. Vous avez marché sur ma langue. Ok. Pensez-vous que la sexualité devrait être enseignée aux enfants à un certain âge? Votre honneur. La sexualité enseignée aux enfants à quel âge? À partir de 10 ans, peut-être avant qu'ils ne se connaissent, quoi. Je ne dirais pas que cela doit faire l'objet d'un enseignement particulier, mais il faut qu'il y ait des échanges autour de la question. Des parents et des enfants. Un père, lorsqu'un enfant vient poser des questions curieuses, en ce qui concerne la sexualité, il faut avoir l'audace, le courage de le lui expliquer. Ouais. Okay. Parce que l'enfant, par essence, il est curieux, il veut découvrir. Oui, oui. Et si d'aventure votre fils, votre fille vient vous poser des questions par rapport à la sexualité et que vous ne lui apportez pas les réponses nécessaires, il va partir de lui-même pour découvrir. Oui. Et les conséquences... Vous allez les gérer après. Oui, absolument. C'est pourquoi il ne faut pas qu'il y ait des tabous en la matière. S'il y a un cadre pour pouvoir en débattre, il faut le faire. Okay. Il n'y a pas de raison de rester dans notre carcan d'antan pour qu'à chaque fois qu'on évoque la sexualité, qu'on repousse. Non, il faut être courageux, il faut aborder les questions pour échanger. Okay. Je vais même le compléter merveilleusement pour dire que, il a si bien dit, il faut même anticiper. Il ne faut pas attendre que l'enfant nous pose des questions. Et lorsque nous avons notre responsabilité pour accompagner les enfants, et lorsque nous voyons des mutations chez les enfants, c'est le temps de parler avec eux. Ouais. Toujours prendre le temps de parler avec eux, suivant l'évolution, les mutations physiques qui se constatent, nous devons les accompagner et communiquer avec eux. C'est la même responsabilité, l'homme avec le garçon, la femme avec la fille, pour que ces enfants-là soient préparés pour appréhender. Donc, parce que c'est des séquences de la vie qui sont parfois cruciales. Et si on n'arrive pas à bien accompagner les enfants, alors à ce niveau, l'enfant peut perdre le pédale. Et ce n'est pas bien pour la société. Ouais, merci. Quel est votre avis concernant, face au phénomène de mariage par contrat, mariage pour tous? Parce que le Tchad, bon, qu'est-ce que le législateur tchadien a dit? Parce que maintenant, le modernisme nous inflige des choses, parce qu'avec la télé-novela et autres, on voit les hommes qui se marient entre eux, les femmes. Qu'est-ce que la justice tchadienne? Monsieur Patrice, oui. Là, la question, on ne doit pas poser la question. N'est-ce pas? Nous avons nos réalités. Merci. Nous avons un code pénal. Vous prenez les dispositions de l'article, c'est pour moi, 354. Il n'y a pas de débat autour de ça. Personne n'est autorisé à avoir commerce, disons, à avoir un rapport sexuel avec une autre personne du même sexe. L'homosexualité. Merci, Père. N'existe pas au Tchad. Tous ceux qui vont en France, ils ont entre, c'est pour moi, 50 000 à 500 000 francs d'amende et une peine d'emprisonnement allant de 3 mois à 2 ans. 2 ans, ok. Le Tchadien. Et c'est qui? C'est là où ça fait notre fierté. Nous avons quand même un degré de pudeur. Il y a des choses qu'on n'avale pas. Merci. Si M. Patrice, aujourd'hui vous venez avec un homme baraqué, vous l'amenez à la maison, votre maman est là, vous dites à votre mère que voilà mon congé. Non. Je vous donne... Revenez dans 2 jours. Oui. Dans quel état vous allez trouver votre mère? Non, mais... Vraiment. Ce qui se passe ailleurs, ça n'a qu'à rester là-bas. Que ça reste là-bas. Mais nous avons nos réalités et notre terroir nous impose un minimum de pudeur. Et c'est le lieu de le dire que ceux qui veulent ou tentent d'aller dans ce sens, ils croiseront le fer avec la loi. Merci. La répression l'a déjà bien dit. Oui. Je pense que la législation, comme vous l'avez si bien dit, la législation au Tchad est là. Elle est claire. Oui. L'institution du mariage
c'est l'union entre un homme et une femme. C'est clair et net. Donc on ne peut pas venir dire autre chose sur le plan du droit, ça n'existe pas. Même sur le plan de la société, nous ne sommes pas prêts. Je pense que aujourd'hui cette dépravation-là, vraiment, que Dieu nous en préserve. Parce que ces gens qui se lèvent pour revendiquer ces choses, je me pose banalement cette question, je dis, mais eux là, qui parlent là, s'il n'y avait pas un homme et une femme, comment serait-il venu à la vie? Vraiment. Ça, c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Vraiment. Et ça reste dans le cadre de la dépravation. Nous traitons cela dans le cadre de la dépravation. Et comme l'a dit le Père, si d'aventure il y a ces cas qui surviennent, bien des gens qui se livrent à ce genre de pratiques, alors ils tomberont sous le coup de la loi. Vraiment. Chers téléspectateurs, comme j'ai l'habitude de dire sur ce plateau, l'identité de nos parents, c'est-à-dire nos us et coutumes sont nos identités et nous devons préserver cette identité. Le modernisme n'a pas à nous infliger les choses qui sont contraires à nos traditions. Notre tradition, c'est notre identité. Conservons cela. Ne nous laissons pas emporter par ce qui vient d'ailleurs. Votre Honneur, quelle est votre appréciation lorsqu'une fille chez ses parents est vierge jusqu'au mariage? Comment ça se passe? Comment vous trouvez cela? C'est la preuve d'une bonne éducation. Preuve d'une bonne éducation. Bien sûr. Exactement. Aujourd'hui, comme le disait quelqu'un, à l'époque c'était cela. Et aujourd'hui, on a l'impression que quelqu'un nous disait que c'est comme la virginité est démodée. La virginité n'est pas démodée. Elle n'est pas démodée. C'est la responsabilité des parents d'accompagner les enfants pour que les enfants... C'est un honneur. C'est un honneur. Non seulement ça glorifie Dieu pour ceux qui sont religieux, et ça honore les parents. Les parents. Donc, c'est le corps là, c'est fait pour être gardé et vivre s'épanouir dans le cadre du lien de mariage. Et c'est ça, toutes les traditions enseignent cela. Ok. Je dis souvent ici sur ce plateau, la virginité d'une fille est sacrée. Une fille qui demeure vierge jusqu'au mariage, cela fait, comme vous avez si bien dit, ça fait l'honneur, la fierté de ses parents. Une fille, en principe, est comme une forêt sacrée. Et pour entrer dans cette forêt, il faut l'initier. C'est le seul homme. Donc, nos sœurs, vous qui suivez cette émission, les parents aussi, tâchez conserver, amenez vos filles à conserver leur virginité pour que demain, vos beaux-fils puissent venir vous dire merci. Vos beaux-parents puissent venir aussi dire vous avez si bien éduqué votre fille. Notre émission tend à la fin. Un message face à cette dépravation de mœurs et aussi par rapport à la délinquance juvénile et aussi à cette pandémie qui fait rage. On commence par vous, votre Honneur. Juvénile, c'est un appel à plus de responsabilité et à tous les niveaux, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des jeunes. Qu'on aille vers une responsabilité qui puisse se pérenniser. Et sinon, Covid-19. Et aussi, bon, d'abord, concernant aussi la cohabitation pacifique, un message. La cohabitation pacifique, mais c'est par bonheur que vous posez cette question. Qui n'a pas besoin de la paix? Oui. Merci. Qui n'a pas besoin d'une paix intérieure? Qui n'a pas besoin d'une paix au sein de sa famille? Qui ne veut pas être en paix avec son voisin? Donc la paix, elle est cruciale. Tout homme épris de paix est un homme que Dieu a béni. Ok. Il ne peut y avoir de développement, il ne peut y avoir d'éclosion sans la paix. Je ne suis pas très politique, je suis technique. Étant même dans mon travail, dans mon rôle, lorsque je constate qu'il y a trop de problèmes quand les gens viennent, je suis mal à l'aise. Parce que je me dis que quelque part, la paix est mise en cause. Je dis par moi, en tant que procureur de la République, je serais quelque part heureux de venir au bureau et d'avoir juste quelques dossiers traités et répartis. Mais être acculé, pourquoi? Parce qu'il y a déjà cette délinquance qui est grandissante,
Cela témoigne que la paix est amoindrie quelque part. Absente quelque part. Raison pour laquelle j'appelle la prise de responsabilité pour préserver, ne serait-ce qu'une infime partie de cette paix. Merci. Et par rapport à cette pandémie qui nous tue, peut-être. La pandémie, elle est réelle. Elle existe. À un moment donné, nous, Tchadiens, nous avons nos réalités. Oui. Il y a des gens qui ont commencé par poser des questions. Est-ce qu'il y a un homme noir qui a été touché? Vraiment. Ce sont des excuses. Oui, lorsque oui. L'homme noir a été touché, on dit, est-ce qu'il, par la suite, est-ce qu'il a succombé? Lorsque on sait qu'il y a un noir qui a succombé, on dit, bon, est-ce qu'un Tchadien a été touché? Est-ce qu'il est mort par la suite? Mais nous sommes tous des êtres vivants, des êtres humains. Si le blanc trépasse au Covid-19, ça veut dire que nous, noirs aussi, on doit trépasser. Il faut qu'on prenne la mesure de la situation. Et permettez-moi le terme, ces derniers temps, il y a le buzz qui se fait par rapport au vaccin. Peut-être un tiroir de cobayes et autres. Oui. À ce niveau, en tant que citoyen, j'implore la vigilance de nos dirigeants. Qu'ils soient mieux éclairés, qu'ils soient mieux conseillés. Si d'aventure, il y a des cas de responsabilité qui s'imposent, qui regardent d'abord leur peuple. Oui. Quelle est la bonne décision à prendre pour préserver son peuple? Merci. Merci. Le message est plus que passé. Maître Simon. Merci beaucoup. Je pense que, comme l'a dit bien, ainsi bien dit le Père, et lorsque nous constatons ces cas de dépravation, c'est le signe que notre société n'est pas en bonne santé morale et sociale. Or, un pays ne peut décoller que lorsqu'il a une jeunesse valide, une jeunesse consciente, et qui mesure le poids de ses responsabilités en tant que des cadres de demain. Et si nous assistons aujourd'hui à ce genre de dépravation, ça ne peut pas aider une société. Société, le niveau de santé morale de la société détermine également son niveau de développement. Ça, c'est très important. Merci. Et la cohabitation pacifique, comme l'a dit mon frère, elle est une exigence de la vie, tout court. S'il n'y avait pas cette paix ou bien ce cadre, cette nation qui nous unit, nous ne serons pas ici en train de rester comme ça. C'est parce que nous avons ce pays-là, qui est un patrimoine commun, qui nous unit, et que nous devons préserver. Il n'y a que par le lien de la paix que nous pouvons préserver ce pays. Et nous avons les moyens de le faire. Il suffit juste de respecter l'autre. C'est simple que ça. Il suffit juste de respecter l'autre et le considérer comme son frère. C'est tout, qu'il soit du nord, du sud. C'est l'histoire. Et c'est Dieu qui valide cette histoire en nous mettant dans une même nation, dans un même territoire. Et nous devons avoir oublié ce dossier. Et cette nation, c'est un legs à nos enfants. Et donc, préservons cela par le lien de la paix pour vraiment propager le message de la paix. Et ça doit commencer à la maison, chez nous, avec autrui. Nous l'avons vécu, pourquoi pas aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui. Vraiment. Donc, il faut le faire pour que la paix conditionne le développement d'un pays. Tant qu'il n'y a pas de paix, nous ne pouvons pas vivre un développement. Ça, c'est très important. Okay. Maintenant, par rapport à la pandémie, je crois que le Père a déjà tout dit. Et au départ, c'est comme il a si bien dit, les gens étaient, c'est livré dans le questionnement inutile. Adhéré Maliam disait non, c'est parce que le gouvernement tchadien veut gagner l'argent. 15 milliards, 15 milliards, c'est rien du tout pour vraiment, un État. Vraiment. Non. Vraiment. C'est une réalité, cette maladie. Aujourd'hui, encore l'actualité que nous suivons, ça nous fait froid au cœur. Dans des pays puissants, on n'a plus de place pour enterrer les gens. Ça, c'est pas des rêves. C'est vraiment. C'est pas des rêves. Et lorsque encore Dieu nous épargne relativement et qu'il nous donne les moyens simples pour nous préserver, il faut respecter ces mesures. C'est laver régulièrement les mains, c'est des choses simples qui ne coûtent rien du tout.
respecter les mesures de distance, ça ne coûte rien du tout. Il suffit juste de nous conditionner. L'homme est ça aussi, avoir la capacité de s'adapter à la situation. Quelles que soient les mesures que le gouvernement prend, c'est pour le bien-être de la population. Et nous devons être soumis à cela. Et c'est généralement ici au Tchad qu'on remarque ces choses-là. Il y a toujours des gens marginaux qui ont cette faculté ou bien de contester toujours. Non. Face à un péril comme celui-là, nous devons être solidaires et vraiment aider les autorités à endiguer. Et Dieu nous aidera à cela. Merci. Nous devons être solidaires et aider le gouvernement à trouver une solution face au Covid-19. Et c'est vrai que c'est une réalité, ça existe. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission avec moi. Je pense que vous avez profité de ce moment pour connaître beaucoup de choses aujourd'hui de nos invités. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez bien soin de vous-même. Merci, votre honneur. Merci, Arthur.